soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Ce n'est peut-être pas encore très visible ni accepté, autant par les hommes que par les femmes, mais sachez que les femmes sont dorénavant favorisées dans de multiples domaines de la société de manière massive et frontale. En politique, où l'on voit de plus en plus de femmes devenir premier ministre ou ministre ou présidente de la République, dans les entreprises où des milliers d'hommes sont sous leurs ordres, dans les institutions, dans l'éducation, dans les domaines de la recherche scientifique, en physique, dans des domaines logiques et mathématiques, dans les domaines culturels, dans les sports, dans les domaines religieux ou spirituels. En fait, dans tous les domaines, dans tous les pays et au niveau de la planète, les femmes sont en train d'être propulsées. Beaucoup de femmes qui l'ont compris s'engouffrent dans ces opportunités qui s'ouvrent enfin à elles. Et de plus en plus, je vous encourage donc personnellement à faire de même. N'hésitez pas à vous lancer dans des activités auxquelles vous n'aviez pas jusqu'à présent pensé ou imaginez évoluer avec détermination à des postes qui sont normalement réservés aux hommes. N'hésitez pas à insister. Soyez déterminés et ne baissez pas les bras. Tout s'ouvre aux femmes et s'ouvrira de plus en plus. Je suis Tim de Space News. Dans la vidéo numéro 1 de cette série, j'ai présenté quelques personnalités extraterrestres pour vous permettre d'avoir un sens concret de la réalité féminine de quelques races extraterrestres. Et pour répondre à une série de questions qui m'ont été posées par une jeune femme indienne sur qui sont et comment sont les femmes extraterrestres. Dans la seconde vidéo de cette série, j'ai répondu à la troisième question, à savoir les grandes différences que l'on rencontre chez les femmes extraterrestres ainsi que certaines spécificités physiologiques uniques comme le cerveau unifié dont sont dotées certaines lignées. Il reste donc deux séries de questions, la 1A et B. Je répondrai à la partie B dans la vidéo suivante. Dans cette présentation, je vous propose de répondre à la partie A ainsi qu'à la question 2. Cette vidéo est organisée en trois parties. La première partie répond donc à la question « Quelle est la solution permanente et que faut-il changer ?» pour parvenir à une égalité totale homme-femme. Adoptons la perspective de l'ensemble des pays européens pour faire dans un premier temps le constat de la position des femmes, en particulier de celle des Françaises. Malgré le niveau de développement des pays européens, si l'égalité homme-femme est plus prononcée dans certains pays membres que dans d'autres, elle est loin d'être une réalité pour tous les pays et dans tous les domaines. Les progrès accomplis par chaque pays sont mesurés chaque année par un indice d'égalité de genre. C'est l'EGE, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui se charge de cette mission et qui attribue un indice allant de 1 à 100 à chaque pays membre. Si 100 était atteint, cela signifierait que ce pays a atteint l'égalité complète. Les notes sont fondées sur les écarts entre les femmes et les hommes et sur les niveaux atteints dans 6 domaines fondamentaux. Le travail, l'argent, le savoir,
le temps, le pouvoir et la santé. L'indice moyen de la France classe les efforts de notre gouvernement et des institutions en troisième position. Et ces efforts sont passés d'un indice de 67,5 en 2013 à 75,1 en 2020. La Suède a 83,8, tandis que la Grèce a 52,2. Mais les femmes sont encore 25% d'écart plus basses que les hommes en France. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, que les salaires moyens des Françaises sont encore 25% plus bas que ceux de la gente masculine, de manière générale. Mais cela fait quand même un quart du salaire en moins. Après avoir eu le droit de vote en 1945, un demi-siècle après les hommes qui l'ont eu en 1799, les femmes restent toujours inégalitaires. Leur salaire est en moyenne 20 à 25% inférieur à celui des hommes. Elles occupent 80% des emplois précaires et à temps partiel. Elles sont plus touchées par la précarité que les hommes, notamment les femmes célibataires qui ont leurs enfants à charge. Et une femme meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son compagnon. Voici les statistiques dans l'Union européenne depuis l'âge de 15 ans. Une femme sur deux a été l'objet de harcèlement sexuel. Une femme sur trois a connu des violences physiques ou sexuelles. Une femme sur cinq a été l'objet de tracts névrotiques ou obsessionnels furtives. Une femme sur 20 a été violée. Et 95% des victimes de la traite d'exploitation sexuelle dans l'Union européenne sont des femmes. Ce qui représente uniquement en France, au 1er janvier 2022, 290 000 femmes. 290 000 femmes, rien qu'en France. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le déclarent pas. Ces 290 000 femmes, jeunes filles, filles, ont subi des violences physiques et sont battues ou des violences sexuelles, de la traque furtive, obsessionnelle et du harcèlement sexuel, sans compter le harcèlement sur tous les réseaux sociaux, la plupart du temps, par des hommes. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo et les questions. Que doivent faire les hommes pour respecter les femmes? Doivent-ils être plus évolués spirituellement? Ou s'agit-il de l'intellect ou de leur perception qui a besoin de changer? Question à laquelle je rajouterai celle-ci. Comment les extraterrestres perçoivent-ils les hommes sur Terre? Que pensent-ils d'eux? Il y a encore du mépris, de la haine contre les femmes, de la résistance et tout ce que j'ai évoqué dans la première partie de cette vidéo, puisqu'il faut que nous atteignions l'égalité totale, femmes-hommes, à 100%, et nous sommes en France, encore à moins 25%. Ce n'est pas encore gagné, car les femmes sont toujours face à la résistance due en partie aux médias ou à la publicité, à l'éducation traditionnelle qui continue de véhiculer des stéréotypes qui confèrent à la femme un rôle et un statut secondaire. Les femmes sont par ailleurs encore victimes d'une misogynie généralisée de la part d'hommes de plus en plus jeunes. Le mécontentement des hommes
à l'égard des efforts déployés pour parvenir à l'égalité des genres, dans la société en général ou dans les entreprises, semble être en augmentation. Une récente étude suédoise qui a interrogé 32 400 personnes dans 27 pays de l'Union européenne est arrivée à la conclusion que les jeunes hommes âgés de 18 à 29 ans se sentaient désavantagés et injustement traités en raison des mesures prises pour favoriser les femmes. À la question de savoir si la promotion des femmes se faisait à leur détriment, ils ont répondu par l'affirmative. Les hommes estiment que leurs opportunités de carrière sont entravées par des femmes et ils se plaignent de plus en plus des mesures prises pour favoriser leur avancement. C'est surprenant, voire aberrant, si l'on considère que les jeunes générations sont celles où les femmes et les hommes sont plus égaux que jamais. Dans la troisième partie de cette présentation, voyons comment les hommes sur Terre sont perçus par les extraterrestres. Qu'en pensent les extraterrestres? Ce qui suit n'est pas mon texte. Je ne l'ai pas inventé, ni écrit, ni créé. Mais tous mes contacts extraterrestres m'ont toujours dit la même chose. Ce qui suit sont des extraits d'une lettre intitulée « Oppression de la femme par l'homme » qui a été adressée le 2 mai 1987, il y a donc 35 ans, par des extraterrestres appelés les Humites ou les Humains du système stellaire Wolf 424. Les destinataires de ce courrier postal étaient 4 terriens, 4 espagnols, un homme, Jorge Barrenechea, ainsi que 3 femmes, Carmen Maria Bora, Teresa Maria Moreno et Camilla Ochoa. Elle est classifiée dans les archives d'Humoscience sous le numéro D540. Elle est signée par Aoxibo III, fils de Ira VI. Vous me direz, pourquoi ressortir un document qui date de 35 ans pour adresser le délicat sujet de l'égalité femmes-hommes? Je vous dirai que c'est ce que toutes les races extraterrestres pensent et c'est pourquoi je le partage. Le contenu de cette lettre est toujours d'actualité, notamment pour les 25% des Français, en particulier les hommes, qui, par leur comportement inadmissible, font augmenter le nombre de cas d'agression envers les femmes et leur font barrage dans tous les domaines où elles évoluent. Ils font de ce fait chuter l'indice d'égalité en dessous de 100%. Pourtant, 100% d'égalité entre les femmes et les hommes, ce ne devrait pas être une exception. Et ceci partout sur la planète. Chez les extraterrestres, 100% c'est la norme. Et ça devrait être aussi la norme sur Terre. Voici donc, sans plus attendre, ce que les femmes et les hommes humites pensent de l'égalité femmes-hommes sur Terre. La lettre humite est adressée à toutes les terriennes. Nous, hommes et femmes du mot, avons eu l'occasion de fréquenter vos sœurs. Franchissant limites et exceptions, nous pouvons constater que vous êtes plus compréhensives, cordiales et sensibles que vos frères les hommes. Nous aimerions que ce message soit comme une longue lamentation de douleur pour l'injuste discrimination que subissent les femmes sur Terre. Habituées sur notre planète à l'égalité des droits et des compétences des deux sexes, nous sommes tristes en observant le degré de servitude auquel est soumis
le collectif féminin. Nous sommes si abasourdis par le traitement vexatoire infligé aux femmes que nous n'avons envoyé de message qu'aux femmes célibataires, par crainte de blesser les sentiments masculins et de nous aliéner votre amitié. Mais nous ne voulons pas attendre pour vous révéler ce que nous ressentons. Nous n'interférons pas dans l'évolution sociale terrestre puisque nos propos ne font que réitérer et confirmer ce que d'autres penseurs antimachistes de la Terre ont répété à satiété en dénonçant cette injuste discrimination sexuelle. Nous le faisons pour que vous sachiez que nous, extraterrestres, qui vivons sur une planète lointaine, nous ressentons de l'aversion et une profonde tristesse envers le comportement de beaucoup d'hommes qui, non satisfaits de se vanter en public, soulignent qu'ils ne sont pas de ceux qui maltraitent leur épouse ou leur compagne. Nombre d'hommes éduqués et bien insérés dans la société, des hommes comme vous qui écoutez ce message, affirment qu'ils n'ont jamais recouru à la répugnante pratique de blesser les femmes par des insultes et des humiliations publiques. Mais ces hommes savent-ils qu'il existe de nombreuses façons d'humilier une femme et de rabaisser sa dignité intime, aussi blessante que les formes évidentes de perfidie et de sévices, car la souffrance morale qu'ils provoquent chez les femmes sensibles atteint des niveaux insupportables. Vous violez gravement, contre la fluide néganthropie de l'univers, les lois bioéthiques en ne considérant pas votre compagne comme une égale qui mérite un profond respect précisément pour sa fragilité somatique. Un homme qui n'honore pas ce principe fait étalage de sa lâcheté, puisqu'il profite de sa partenaire et la rend plus perméable aux attaques du plus fort. L'origine de cette soumission ignominieuse paraît transparente. Déjà, à la période correspondant à la naissance de l'Homo habilis, le mâle tuait parfois la femelle après les premiers partages pour disputer le droit aux aliments qui étaient rares. C'est à partir de la phase évolutive de l'Homo neanderthalensis quand la femme commença à être subjuguée intellectuellement par le mâle que pendant des phases d'incapacité comme pendant l'accouchement, la menstruation, le travail, les qualités physiques diminuées, que l'homme va profiter pour imposer sa domination tyrannique. Cette réalité de la soumission de la femme est la même dans toutes les cultures sur la Terre et elle a les mêmes racines. Les hommes ont établi des castes soumettant les plus faibles qui sont alors les jouets passifs de la dominance indigne des hommes. Vous, les hommes de la Terre, avez monopolisé l'histoire. Vous avez écrit et déformé la véritable histoire de l'étouffement infamant des femmes par leurs compagnons et de toutes les violences et exactions des hommes. Aucune n'égale en cruauté celle de la soumission de la femme par son partenaire. Les races persécutées pouvaient s'unir et lutter contre leurs prédateurs. Les membres des différentes castes
parvenait à une affinité spirituelle et à la sublimation pour supporter la pression des maîtres. Les esclaves purent en de multiples occasions s'unir contre leur propriétaire. Mais la femme, isolée et limitée par une éducation imposée par leur père par tradition, était et est encore, à travers le monde, obligée de se soumettre. Dans aucune phase de la longue histoire terrestre, la femme n'a pu dominer le mâle. Seulement dans des cas ponctuels, des groupes de femmes ont formé des escadrons guerriers d'Amazones, parfois très cruels, comme mécanisme réflexe défensif. C'est seulement dans des cas isolés et en milieu rural qu'une femme s'est imposée comme matriarche ou reine, comme dominatrice d'un réseau social où, paradoxalement, les autres femmes ne furent pas délivrées de leur servitude, bien que l'une d'elles occupât le trône. Mais de toutes les communautés machistes, aucune ne dépasse les religions en fanatisme anti-féministe qui pousse le mépris de la femme à des extrêmes vraiment répugnants. Comment s'étonner que vous, hommes de la terre, adoptez une conduite machiste et répressive envers les femmes si l'entité qui s'érige comme interprète de la morale universelle ignore volontairement et consciemment les droits de la femme, tentant d'occulter une idéologie misogyne par la mythique adoration des déesses et du culte à Ishtar ou à Marie? Il est évident que le respect de la femme et de ses droits ne passe pas par la vénération, ni par le respect de la figure historique d'une femme, sauf le respect réel des droits de toutes les femmes vivantes d'aujourd'hui. C'est comme si une société esclavagiste qui réprime et jugule les droits humains de ses sœurs essayait de laver sa culpabilité en adorant sur ses autels la figure mythique du premier esclave. Mais l'erreur la plus grossière n'est pas simplement celle des dirigeants des religions terrestres, mais aussi celle des fidèles qui permettent pareille iniquité. Ces hommes dominateurs qui s'érigent en mari et oracle recteur de la famille, n'aidant pas aux tâches ménagères et bridant le droit que détient sa compagne aux prises de décision et à l'expression de ses points de vue, il y a tellement de subtiles façons d'humilier sa femme en ridiculisant ses idées, son manque d'intérêt à s'intégrer en réunion et aux conversations de caractère intellectuel, que ce sont autant d'autres formes voilées de machisme. En êtes-vous conscient? Hommes de la terre, nous manquons d'autorité pour vous exhorter à adopter des comportements éthiques. Et nous pouvons dire qu'une grande partie des dérèglements terribles dont souffre la société terrestre est provoquée précisément par l'injuste violation de la dignité que vous devriez octroyer aux femmes. Les mouvements féministes mondiaux sont inévitables si les hommes ne progressent pas en concédant ce qui par droit propre correspond au sexe féminin. Les femmes préparent une révolution aux conséquences graves pour l'équilibre des peuples. Les hommes vont payer brutalement des siècles de laxisme et de mépris envers les femmes. Vous, les hommes, vous avez tablé subtilement sur l'imposture de la condition masochiste de la femme
Vous avez créé des mythes infamants comme la femme clitoridienne ou vaginale, ou la légende psychanalyste sans fondement scientifique de l'envie du pénis. Vous avez essayé de justifier pseudo-scientifiquement la thèse de la supériorité masculine et vous avez tenté de vous immiscer dans les droits que la femme possède par principe sur son propre corps. La pression de l'État et des religions pour arracher aux femmes leur liberté, l'indigne attitude d'abandon et de désintérêt de l'ensemble masculin, appuyant tacitement cette injustice, vont provoquer dans les années à venir de gravissimes conséquences. Nous, humains de Humo, expéditionnaires sur votre planète, le voyons clairement et il nous serait agréable que vous soyez particulièrement conscient de ce problème en faisant les transformations devenues incontournables. Avant de clore cette présentation, je vous invite à assister aux trois directs qui auront lieu les 13, 20 et 27 novembre à 17h sur YouTube. Ils durent tous une heure. Le premier sera accessible à tout le monde et ceux des 20 et 27 novembre sont réservés pour les sponsors de Space News. Je vous retrouve très bientôt pour le quatrième volet de cette série qui sera un zoom sur la personnalité, le statut, les pouvoirs de deux amirales pléiadiennes, commandantes d'immenses vaisseaux-mères. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.